كالعادة نستقبل رئيس بلدية درونسي مدير الكيمياء جون-كريستوف لاغارد على الأوكازيون دو العيد. Bien, bah écoutez, bon, merci de votre accueil, merci de cette bonne habitude. Je pense d'abord à ceux qui sont dehors, parce que eux, ils doivent pas être au frais. Je suis désolé qu'elle ne soit pas assez grande, finalement, de ce qu'on a construit, mais on pourrait peut-être arranger ça. Aussi, je disais justement à ceux de l'extérieur, je pense à vous, qu'il y avait froid pour le compte, mais je suis désolé, la mosquée a été prévue pour une certaine taille, et j'imagine qu'elle pourra s'agrandir un jour. Et puis vous dire enfin qu'on est en discussion constante avec l'association qui gère la mosquée, l'association des musulmans de Nancy, pour avancer sur ce qu'on a expliqué il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire la possibilité pour vous d'en prendre possession, cette fois-ci d'en être propriétaire. Je sais que ça avance, je vous invite à le faire, nous on est en train d'avancer juridiquement, il faut que vous avanciez financièrement. Progressivement, les gens intègrent la communauté musulmane, non pas comme un élément de peur, mais comme un élément de normalité, comme les autres congrégations religieuses, ou comme ceux qui ne croient pas en Dieu. Intègrent ça comme quelque chose de normal. C'était pas facile, finalement, en France, il y a quelques années, ça devient de plus en plus, mais en tout cas, dans notre ville, ça a beaucoup progressé. Je veux remercier l'imam qui se trouve là, je veux remercier le président de l'association et toutes celles et tous ceux qui se dévouent, puisqu'il y a à la fois les cours de langue arabe, il y a les cours de religion, il y a les offices religieux, ça demande beaucoup de boulot pour faire tourner une mosquée, je ne me rendais pas compte à quel point d'ailleurs, vous faites ce travail, et ce travail, il paye dans la ville, parce que dans la ville, les gens considèrent finalement que la vie des communautés religieuses, et une communauté religieuse qui leur faisait sans doute un peu peur, c'est quelque chose qui finalement se passe bien dans une ville, c'est grâce à vous, et je voulais vous remercier. Est-ce que c'est la religion qui crée l'obscurantisme ou est-ce que c'est simplement l'utilisation politique de la religion qui le crée? C'est ça notre problème. Et donc si on apprenait réellement ce qu'a été l'islam, si on l'apprenait aux musulmans, si on formait les imams et si on se protégeait des intérêts étrangers, à ce moment-là, vous verriez qu'on n'aurait aucun problème. D'ailleurs, pardon, moi qui ai grandi dans ces banlieues, on n'en avait aucun il y a 35 ans de ça, et il y avait autant de gens qui étaient musulmans oui. pour autant. Oui, mais il y avait beaucoup moins de femmes voilées qu'il y en a aujourd'hui. Parce que la femme voilée, c'est l'utilisation politique d'une religion, ça n'est pas la religion. N'importe quel musulman érudit connaissant sa religion vous dira que ça n'est absolument pas un précepte religieux. Demandez à l'imam de Bordeaux, demandez au président de la Fondation pour l'Islam de France, demandez à tous ceux qui connaissent un peu et qui ont un peu de culture de cette religion, ils vous expliqueront que ça n'a rien en réalité d'un précepte religieux. C'est donc bien, et on le voit, le salafisme et le wahhabisme c'est ce qui a créé l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire c'est un mouvement politique qui utilise la religion comme un moyen de pouvoir. Voilà, il y a eu des difficultés, y compris dans mon département, par exemple à Aulnay-sous-Bois. On ne l'a jamais dit, mais une partie de la fermeture de PSA était liée aussi à l'omniprésence religieuse et au fait qu'il y avait des exigences religieuses dans le travail, d'arrêt de travail, de baisse de productivité. Et dans le choix de PSA de fermer Aulnay, il y a eu aussi cet aspect-là. Sur certaines lignes RATP, ça existe aussi. Et donc, il y a besoin de remettre de la République. Mais pour... L'islam dans le pays musulman, il est géré par les États, en général. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Cette personne ne représente aucun musulman. Il est rejeté par tous les jeunes musulmans. Personne. C'est toujours les mêmes. C'est pas une question d'interroger. Mais c'est une honte pour la communauté musulmane. Cette personne ne représente aucun musulman. Pour quelle raison vous demandez votre avis? Pour quelle raison? Ce avis est rejeté par tout le monde. Personne ne peut l'accepter. On a l'impression que c'est une marionnette télécommandée. La laïcité. C'est la séparation de l'État et des religions. Cette séparation entraîne la neutralité religieuse absolue de la sphère publique, c'est-à-dire les collectivités et les services publics, à l'égard des religions. Ainsi, l'État ne reconnaît aucune religion, n'en favorise aucune et n'en discrimine aucune. Il ne soit pas assez grand, finalement, de ce qu'on a construit, mais on pourrait peut-être arranger ça. La séparation de l'État et des religions implique que l'État et les collectivités publiques ne doivent verser aucune aide financière aux activités et locaux relevant de la pratique d'un culte, et que les religions n'interviennent pas dans la politique. En contrepartie, les religions sont libres et les autorités n'ont pas à les influencer. Je vais vous dire enfin qu'on est en discussion constante avec l'association qui gère la mosquée, l'association des musulmans de Nancy, pour avancer sur ce qu'on a expliqué il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire la possibilité pour vous d'en prendre possession, cette fois-ci d'en être propriétaire. Je sais que ça avance, je vous invite à le faire, nous on est en train d'avancer juridiquement, il faut que vous avanciez financièrement. Laïcité, religion et législation font-elles bon ménage ?
Les questions de laïcité s'invitent régulièrement dans les médias, et cette notion est souvent associée à des interdictions. Pourtant, la loi de 1905, aussi appelée loi de séparation des églises et de l'État, à laquelle on se réfère souvent, a été promulguée avec l'idée de donner plus de liberté. La laïcité en France se fonde ainsi sur trois grands principes qui permettent de déterminer ce qui est permis. Le premier, c'est la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire en une religion. Elle s'accompagne de la liberté de pratiquer sa religion, par exemple de respecter le carême, de manger kasher ou encore d'observer le jeûne du ramadan dans le cadre privé et dans l'espace public, sous réserve de ne pas troubler l'ordre public. En revanche, les pratiques religieuses peuvent être limitées dans les entreprises, au cas par cas, en fonction du métier exercé. Par exemple, le règlement intérieur d'une entreprise peut interdire à des opérateurs travaillant sur une chaîne de production de quitter leur poste pour aller prier. Pour les personnes travaillant dans le secteur public, en revanche, c'est le deuxième principe qui s'applique. Celui-ci repose sur la stricte séparation de l'État et des organisations religieuses. L'État ou les collectivités locales ne peuvent salarier aucun responsable religieux ni financer un édifice religieux. Ce principe s'accompagne de la neutralité des services publics, qui implique que les agents de l'État et des collectivités territoriales, comme une infirmière, un enseignant ou un employé de mairie, ne peuvent pas afficher ostensiblement leurs croyances en portant des signes religieux, ni tenter de convaincre leurs collègues. Enfin, le troisième principe consacre l'égalité de tous devant la loi. Il s'accompagne de l'égalité d'accès aux services publics, ce qui implique que toutes les personnes qui portent des signes religieux peuvent accéder aux services publics, comme l'hôpital. Dans le service public de l'enseignement, en revanche, il y a des spécificités. Dans les écoles, collèges et lycées, les élèves ne sont pas autorisés à porter des signes religieux ostentatoires. Le principe est de protéger les mineurs contre les éventuelles pressions, d'éviter les conflits entre ceux qui en portent et ceux qui n'en portent pas, et de favoriser le développement de l'esprit critique. Par contre, à l'université, les étudiants peuvent afficher leurs convictions. La loi sur la laïcité n'est ni pro ni anti-religieuse. Elle cherche à garantir la liberté religieuse dans le respect de l'ordre public. Et c'est la dernière manche de ce Question pour un champion avec Monsieur Chalgoumi. Monsieur Chalgoumi, c'est par ici. C'est par ici, Monsieur Chalgoumi. Voilà. Dernière manche, est-ce que vous êtes prêt? Oui, je suis à moins d'un mètre. Ça veut dire que je suis près de vous. Je suis... D'accord. Alors, très bien, on y va. Top! Je suis un pays d'Europe qui compte 65 millions d'habitants. C'est la mer Noire. Non, pas du tout. Dont la devise est liberté, égalité, fraternité. Mon drapeau contient les trois couleurs bleu, blanc, rouge. Je suis... Je suis Charlie. Et tout de suite, on écoute Hassan qui va nous interpréter une chanson de Jacques Brel. Manuel Valls à Milton, Manuel Valls à Milton, Manuel Valls à Milton qui dit que les musulmans, s'ils sont pas contents, c'est pas grave, ils sont très très méchants. Manuel Valls à deux temps, Manuel Valls à deux temps, Manuel Valls à deux temps, il se brosse les dents, il croit qu'il va être président en 2017, Inch'Allah, ça dépend. Monsieur Chalgoumi, c'est à vous pour le mot de Motus. Qui me parle? C'est Thierry Beccaro, je suis ah, là. Si vous, voilà. D'accord, vous étiez caché. Voilà, c'est à vous, on vous écoute pour le premier mot. Je suis Charlie, G-E-C-U-Y, Charlie. Non, alors attendez, monsieur Chalgoumi, en fait c'est un seul mot et ça doit rentrer dans les cases, donc pas plus de 7 lettres. Pardon. Islam de France. Et, plus loin, Islam, grand grand malade, très bon album. 4-2 de Islam de en France. Le compte est bon. Le compte est bon. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je veux la boule noire. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Il faut se reposer. Reposer. R-E-P-O des S. Ta
tellement changé ces derniers temps. J'ai l'impression de plus te reconnaître, Michael. Je ne suis pas Michael. Mais alors qui es-tu vraiment? Je suis... Charlie. Bonjour à tous, c'est Abdel, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de l'imam Hassan Chalgoumi. T'as compris que si je mets Hassan Chalgoumi derrière imam, ça veut dire qu'on va se marrer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Hassan Chalgoumi, c'est le imam de la mosquée de Drancy. Bon, c'est un mec, je vais pas dire il est con, hein, parce que ce serait insulter la bêtise. Disons simplement que le jour où on a fait la distribution des cerveaux, lui, il a été pissé ou je crois même chier. Des fois, quand j'ai pète, je fais caca. Bon, alors, pour te donner une idée, il est juste en dessous du QI de Patrick dans Bob l'éponge. Le monde va vraiment mal. Et ce qui est super intéressant de voir, c'est que ce mec, il est quand même imam dans une mosquée. Première question, comment est-ce qu'il est arrivé là? Excusez-moi, ça vous dirait d'être imam dans une mosquée en France? Imam, bien sûr, ici tout le monde imam. Lui imam, lui imam un peu, lui imam pas beaucoup, passionnément à la folie, tout ça, oui. Oh, c'est bon ça. Et ce serait pour faire la prêche du vendredi? La prêche, bien sûr, j'adore la prêche, moi. Le matin, je vais avec mes enfants, on met le petit asticot, avec la canne, tout ça, on jette. C'est magnifique, la prêche. Oh mon Dieu, c'est génial. Et qu'est-ce que vous connaissez de l'islam? L'islam, j'adore l'islam. Comment il s'appelle, ça? Grand cours malade. Oui, lui, franchement, l'islam bien. Islam très très bien, tout ça, oui. Oh, les mecs, on l'a trouvé. C'est bon, on l'a trouvé. Mais comment ça doit se passer dans sa mosquée le vendredi, lui? N'oubliez pas qu'il faut prier 5 fruits et légumes par jour. Et il faut jamais manger pendant le ramadan le porc. C'est soit avant, soit après le coucher de la lune. Et pour ce qui est du reste, je peux pas vous dire plus, je peux pas. Alors, je peux pas vous dire plus, c'est une phrase qu'il avait donnée lors d'une interview. Ouais, c'était le moment où il pensait que Charles était un être humain. J'ai une pensée à lui, Charles. Une pensée pour Charles, c'est-à-dire? Mais je peux pas vous dire plus, voilà. Maintenant, imagine Charles Goumi s'il faisait du cinéma. Cet été... musulmans pour savoir pour tous ceux qui croivent le connaître Hassan Chalgoumi. Je peux pas vous dire plus. Et ce qui est fou, c'est que dans les médias, ce mec, il est représenté comme étant le représentant des musulmans de France. Et c'est pas tout, ce mec a quand même écrit un bouquin avec David Pujadas. Oui, hier soir on entend avec des potes. Oui, bonjour, je suis Hassan Chalgoumi pour les livres. Ah, mais ça parle ce truc en fait. Ouais, bonjour. Bah écoutez, finalement j'ai écrit tout seul le livre. Ouais, parce que quand je vous ai demandé une partie du livre, vous m'avez dessiné une partie d'un livre. Ça n'a aucun sens. Bah écoutez, on va dire qu'on l'a fait ensemble, d'accord? Voilà. Va me faire un café s'il te plaît. Et bois-le. Ah d'accord, là, oui, j'ai compris que je peux pas vous dire plus, je vais partir. Et bien sûr, je peux pas parler de Chalgoumi si je parle pas de la langue française. Cette magnifique langue qui a été massacrée par ce mec. Votre religion, votre foi, ça commence dès le matin que vous se réveillez. Bien sûr, hein, se réveille du verbe se réveiller, hein, je se réveille, tu se réveilles. Ça c'est l'islam, vous êtes dans la religion, vous êtes dans le bon voie. Oui, le bon voie, hein. T'as l'impression que c'est une marque de vin. Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poisson? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Ah, le shit. Ce mec est tellement fort qu'en pleine interview, il te sort un mot comme ça que tu peux pas comprendre. On dérange à des intérêts des fanatiques. Je trouve que la majorité s'élancieuse, il faut qu'elle sorte. S'élancieuse, du verbe s'élancieuser. En gros, t'as un mec qui est président des imams de France qui parle pas bien le français. Le monde va vraiment mal. Tu sais, parfois quand il parle, j'ai l'impression qu'il met simplement des mots, des mots qui se suivent, c'est tout. Y a pas de sens, y a rien, mais il y a des mots. Tourne ici à Paris, en France, pareil presque d'une manière indirecte ou directe. Problème social, divorce, tout ça, à la fin, quand il cherche à se mettre à sa personnalité, il est où? Bon bah c'est ici que s'achève cette vidéo. N'oubliez pas que je rejoue mon spectacle pour la dernière fois cette année au Théâtre Saint-Michel le 2 mai 2015. Les places sont en vente soit à la FNAC, soit au théâtre même. Ça va être la folie ce spectacle. Hassan Chalgoumi sera pas là, mais ça sera tout aussi marrant. Bon, ça sera pas aussi marrant que lui parce qu'il est quand même très très fort. Mais je pense qu'il y a du niveau, il y a quand même du niveau. Si cette vidéo t'a plu, partage-la. Si elle t'a pas plu, ben je peux pas vous dire plus. Rejoins-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Et bien sûr, n'oubliez pas que... Je peux pas vous dire plus. Non, je déconne. Dieu vous bénisse.